dernière lumière du jour de Durin révéla l'entrée secrète cachée dans la montagne et mentionnée par la carte. Les membres de la compagnie virent alors s'ouvrir devant eux un couloir obscur menant au royaume des Rébords et au trésor perdu du peuple de Durin. Enfin! Bonjour, bonsoir tout le monde, on est de retour, excusez-moi, je passe ça. Ouais, c'est pile bon que je vais. Voilà. Et nous sommes de retour, comme vous le voyez, dans le. Non pas dans le Seigneur des Anneaux que j'allais dire, mais dans le Hobbit. Et nous avons, comme vous le voyez dans la petite précédente, trouvé la porte, tout un niveau pour trouver une serrure. Bon, la scène était cool, mais bon. Gandalf ne viendra pas nous aider, il est prisonnier de Sauron. Et il est temps pour nous d'aller affronter le dragon. Les compagnons pénétrèrent dans la montagne par la porte secrète. L'issue de leur périlleuse quête reposait désormais sur les frêles épaules du cambrioleur qui devait à nouveau prouver toute sa valeur. Excusez-moi pour le bruit. Je reconnais ces murs. Puisse le cœur de la montagne unir tous les nains dans la défense de ces lieux. L'Arkenstone. Et c'est quoi ça? Ça, maître cambrioleur, c'est ce pourquoi vous êtes là. C'est encourageant. Allons vers les forges. Il nous verra, pas si on se sépare. Vous voulez que je trouve une pierre précieuse? Il n'y a qu'une seule, Arkenstone. Vous la reconnaîtrez tout de suite. Ouais, ouais. Ah, il vient avec. Ah oui, c'est vrai que c'est le niveau où on peut les traduire. Ah. Déjà, je pensais qu'on avait fait un petit trop cher. Bonne. Voleur. Quelque chose chez toi, quelque chose que tu portes, quelque chose en vous, un bien précieux. Ah, te voilà, voleur dans les ombres. Ah. Alors, c'est pas vraiment un voleur. Bon, il est moins stylé que dans le film, mais quand même, il en jette. Je me suis parvenu pour voler. Oh, son aux incommensurables richesses. Incommensurables richesses qu'il a pris aux nains, faut pas oublier. Ouais, évidemment, on va devoir se jouer discret. Désolé. Oh là. Un petit niveau de discrétion. Je pensais qu'on aurait fait d'abord de la un peu de recherche avant de réviser le dragon. Ça aurait été un petit peu mieux. Alors, si on passe directement au dragon. Je récolte ces trucs en or, on en a pas besoin. Et on récolte les sous-sous. Oui, parce qu'on veut aussi des sous-sous, on est là pour ça. Je voulais seulement contempler votre magnificence, pour voir si vous étiez vraiment aussi grand que le disent les raisons. Je ne les croyais pas. Ouais, bah maintenant on va les croire. Ah. Sérieux? Et allez. Maintenant. Bah maintenant. Après la statue là.
Allez, à toi, Béaline. En vérité, les récits et les chansons minimisent grandement votre énormité, ô Smo, le prodige. Non, on va rester sur les nains. Et hop! J'espère qu'il nous a pas entendu. Même si, à mon avis, c'est tout le contraire. Vous pouvez passer entre les jambes de la statue, franchement. Crois-tu que les flatteries te garderont en vie? Non, en effet. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Faut pas avancer trop vite. Mon nom semble t'être familier, mais je ne crois pas avoir déjà senti cette odeur. Qui es-tu? Et d'où est-ce que tu viens? Je t'écoute. Comment on va répondre? Je viens de sous la colline. La colline? Et mon chemin m'a mené sous les collines, par-dessus les collines. Et par les airs. Je suis le marcheur invisible. Je suis... porteur de chance. Inventeur d'énigmes. Et c'est tout? Y'a pas autre chose? Bon, sinon, il est où cet artiste? Ou une clé? Et il entend pas qu'on peut détruire tout l'or? Sourd. En fait, même en lui, il reste impressionnant, faut dire. Même si je le trouve un peu statique. Temps d'avancer un petit peu. Non, ça me gêne littéralement. Le charme, titre. Continue. Monteur de tonneau. De tonneau. Voilà qui est intéressant. Monteur de tonneau, c'est plutôt descendeur de tonneau, je dirais. Et ah. Tes petits camarades nains, où se cachent-ils? Non, il n'y a pas de nains. Vous vous trompez. La part baline. Es-tu sûr, monteur de tonneau? Pourquoi vous insistez sur ce titre? C'est plutôt Hobbit célèbre qu'il faut dire. Un arc, génial. En vérité, vous vous trompez. Oh, Smaug, première et principale des calamités. Tu as d'excellentes manières pour un voleur et un menteur. C'est pas la peine d'en rajouter, hein. C'est écu de chêne. Ce sale nain usurpateur!
Il t'a envoyé prendre l'Arkenstone, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est pas bête, celui-là. Heureusement qu'on perd pas de pièces. J'entends pas quand on fait du bruit, sérieusement? Puis on est en train de se faire un petit stock de matériel là. Ça passe pas. Mais sérieux là. Bon. Quel dragon, il est très pragmatique, hein. On peut dire qu'il a visé juste dans le mille. Attends, il doit bien connaître les nains pour avoir réussi à s'emparer de leur forteresse. Ouais, si en secondaire tu auras que je fasse, ça va pas être facile avec des dragons. Le voilà. Alors toi, voleur, comment veux-tu mourir? Pas tout de suite en tout cas. Mes crocs sont des épées, mes griffes des lances, mes ailes un ouragan. En vérité, vous n'avez pas votre égal sur cette tête. Aïe aïe aïe. Et les autres, ils sont où d'ailleurs? L'Arkenstone, l'avez-vous trouvé? Le plan ne marchera pas. Les fours sont plus froids que froids. Nous n'avons pas de feu assez fort pour qu'ils puissent s'embraser. Détrouve-toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on t'échappe aussi facilement. Ah, tu es devenu lent et gras. Sur tes vieux jours, limace. À l'abri. Vite. Évidemment. Mais cela dit, c'est une bonne idée. Action de la soufflerie. Vas-y. Est-ce que je peux me déplacer, c'est bon? Voilà. Parce que j'avais pas le contrôle. Beaucoup de matos. Il va y avoir quelque chose à faire de sérieux. On va le faire en plusieurs étapes, je le sens. En attendant, on récolte les pièces qu'on peut. Ah, ça fait bien de revenir dans ces mines, hein. Dommage qu'on ait oublié de tout détruire encore pour vaincre le dragon. Hop, les sous-sous par ici.
Mais non, pas ça. Ça. Allez, quoi? Un truc de fabrication, évidemment. Ah, il y en avait deux en fait. J'avais pas remarqué. Un mini kit. Ah bah comme ça on en a un. Allez les pièces par ici. Encore un truc est cassé je crois. En tout cas ça fait quand même plaisir de pouvoir marcher normalement parce qu'accroupi c'était pas facile de pouvoir ramasser. Et voilà! Allez, c'est reparti! Quoi? Ah, c'était pas le bon? Oh zut! Les tests me trompaient. Je vais pas dire, les Lego c'est vachement complexe, hein! J'agis quand? Et voilà, vraiment c'est une pêche sous ce qu'on est en train de faire. Oui, elle est bien faite, faut dire. Bombure. Bombure. Ah, t'es là. Et c'est pour faire quoi en fait? C'est pas le moment. C'est pas le moment de faire des décos, hein. Y'a un dragon qui se ramène. Vivant! Là-haut! Avant le signal, abaissez le levier! Bon, ça va falloir dépêcher, je présume. Et alors, juste quelques petites minutes. On débarrasse tous ces débris. Et les dragons, ça fait pas beaucoup le ménage, j'ai l'impression. Là-bas. Oh. Ah bah oui. Ah bah non, on peut pas. Ah bah je le dis aussi, je l'ai été trop facile. Eh bah je crois qu'on a mis tout un petit peu en colère. Ok, bien visé. Ok, bon, j'ai compris. On se met dans les ombres. Bon, évidemment, ça aurait été trop difficile sinon. Ramasse les sous-sous d'abord.
Comme d'habitude. Allez hop. Ouh, on a eu chaud. Littéralement. Ok, ça va faire quoi? Ah bah il était vachement fort ce Nog. Voilà! Tu sais toujours faire une flamme éclair? Oui, mais je fais ça en moins de deux. Une flamme éclair. Et c'est quelle couleur qu'on va faire? Non, on peut pas casser la table. Ah! Ben voilà ce que je voulais, le mode d'emploi. Ah, le rouge, là, je l'ai bien mis, en fait. Donc là, je vais mettre le rouge aussi. Et on peut pas sortir de là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Une flamme éclair. Vous l'envoyez sur le corps. Pas autre part à viser. Ah, c'est pas une que je contrôle, j'avais pas remarqué. Et voilà. Dans la tronche. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ça? Est-ce qu'il y aura une course-poursuite là? Ouais non, il est plus sympa lui. Oh, c'est pas fini. Je m'attendais à ce que ce soit à la fin là. C'est une nain incassable. On ne peut pas s'étonner. L'endroit où on est.
Bizarre. Par contre, j'ai remarqué un truc. J'ai l'impression qu'on fera pas des niveaux sur le troisième film. J'ai l'impression que ça va être le dernier celui-là. À moins que le niveau bonus nous permette de faire la bataille finale. Voilà. Et tada. On a fini. Première fois qu'on a un plan. À toi, Ori. Il y a le dragon qui avance très vite. Prenez votre temps, hein. Ah, y'a pas le feu au lac, hein! En tout cas, c'est la première fois que j'arrive à avoir un plan pendant une mission principale. On fait des progrès, hein! Je me demande si c'est un plan de coup, en fait. Allez, 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 allez! Je vais reprendre ce que tu as volé! Toi, nain! Tu ne me prendras rien du tout. J'ai anéanti tes guerriers de jadis. J'ai insufflé la terreur dans le cœur des hommes. C'est moi, le roi sous la montagne. Enfin, les jeux perdus, c'est une autre fois. Allez hop. Oh, j'ai oublié de casser un truc. Je me demande si j'arriverai à avoir le 100% pièce. Faut qu'on fasse vite. Allez, allez, allez. Non, il en faut un bien précis en fait. Celui-là, je suis tombé juste. Attendez un instant. Ah. Il y a quelques petites surprises sur le côté. Attendez, on va pas passer à côté non plus, hein. Récupère les sous-sous, vu qu'on peut pas le faire à l'intérieur. Au moins essayons d'avoir le petit 100% pièce. Ça fera un petit bonus et une brique de mithril en plus. Par contre, il est où le troisième? Peur. Est-ce que je l'ai raté? Il était dans une partie précédente du niveau. Normalement. Dommage. Ce n'est pas ton royaume.
C'est le royaume des nains. C'est l'or des nains. Oh non, hein. Oh, ça c'est malin, Bilbo. Fallait que tu tombes, heureusement que tu t'es porté mal. Lequel dragon, il a quand même réussi à sentir la nuit. Je sais que les dragons sont des créatures comme féroces. Et dans cet univers. Bref, c'est le mal qu'ils ont créé, mais je pensais pas qu'ils détecteraient la nuit aussi facilement. Ah, bah il était en haut. C'est là, évidemment. On casse ça. Bon. Ben, alors, j'aurais pas tout dit, c'est sans contenter, je crois. Mais, c'est quand même pas mal. Belle statue. Voyez dans l'or, le prix de l'avarice. Ok. Attends, sérieux? C'est tout? Ça, ça se termine? Succès, pense à un four avec des ailes. Oh, c'est le nom d'initié. C'est tout? Je pensais pas qu'on battrait comme ça. Je pensais qu'on le verrait s'envoler pour direction de Lockville. Ben mince. Bon, ben j'ai pas eu de 100% pièce, mais bon. Fleurs de forgeron déverrouillé, feu d'artifice en mitrille. Arc de feu d'artifice en mitrille. Et un mini-kit. J'ai terminé. Plan. C'est génial. Ah ben c'est génial. Ah, je me disais. Pouvoir me duper, monteur de tonneaux. Tu es venu de Lockville. Il est peut-être temps que je leur rende visite. Vous avez réveillé un dragon. Voilà ce qui s'est passé. Eh oui, ce jeu s'arrête à la fin du deuxième film. Donc on n'aura pas la bataille des 5 armées. Quoi qu'il reste encore les niveaux bonus. Hein. Mais peut-être aussi les secondaires, ça se tente. Et on a fait que 29,5%, mais c'est déjà pas mal. Sur ce, portez-vous bien, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour la suite, laissez des commentaires sur les réseaux sociaux. Au revoir, à la prochaine.